Fanny, on avait dit une heure. Ce matin, c'est de la révision, puis comme j'ai les bonnes notes, je suis pas obligée d'y aller. Il va falloir que tu me présentes ton beau Fred. Mais oui, c'est sûr. Voyons. Puis je vais même t'envoyer une photo de nous devant la Statue de la Liberté. Avec quel argent, là, à New York? Est-ce que je peux t'aider avec quelque chose? Oui. Elles sont vraiment wow, tes ongles. T'étais où? Pourquoi tu nous as pas donné des nouvelles de la journée? Je suis au centre-ville avec des amis, maman. OK, c'est correct. Tu penses à tes parents, tu penses à Fred. Ça te tente pas de penser à toi un peu? Ouais. Hey, cool, ton école. Damien, qu'est-ce que tu fais là? Aimes-tu ça danser? Ouais, j'adore ça. C'est ma passion depuis vraiment longtemps. Qu'est-ce que ces petits bijoux-là, là? Ça dure pour toujours. Comme nous deux. On me donnait tous tes mots de passe de tous tes réseaux sociaux. Tu vois que la confiance, ça se mérite. Ah, tu travailles ici? Ouais. C'est important de bien encadrer votre fille, mais c'est encore plus important de l'écouter. C'est ça. Regarde, c'est les photos. Aïe, aïe. Fanny, si la police te retrouve, là, ça va direct au centre jeunesse. Si vous passez votre temps à la juger ou à lui dire quoi faire, elle va couper les ponts. Pire que ça, si elle a vraiment des problèmes ou si elle est en danger, elle saura plus vers qui se tourner. À chaque fois que t'appelles ta famille, là, tu nous mets en danger. Tu me mets en danger. Non, mais s'il te plaît, donne-moi une autre chance, OK? Y a pas de stress, je suis avec toi là-dedans, OK? C'est tellement un trou noir dans ma tête, j'ai aucune idée.